Bonjour, ici Kikigori. Aujourd'hui, on va voir comment faire un bracelet un petit peu plus compliqué que la semaine dernière. Ce sera un bracelet double. Alors pour ceci, vous prenez deux fourchettes que vous scotchez entre elles. Et on va suivre ce petit schéma que j'ai fait. Alors ça, c'est pour la base. Ça représente les pics numéro 3 et 4 des deux fourchettes. Alors on prend la base. La couleur, moi, ce sera le noir. Nous faisons un 8. Comme ceci. Ensuite, on prend une couleur, on en croise. Donc moi, ce sera l'orange. Puis, on reprend la base, donc le noir, en les mettant normalement. Donc voici pour la base. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez l'élastique d'en bas et vous le remontez en haut des dents. Donc comme ceci. Vous prenez le dernier et vous faites passer par-dessus la dent. Vous faites ça pour les quatre dents. Une fois que vous avez fait ça, donc après ça va être très facile, vous prenez une couleur, vous la croisez comme marqué en 4. Donc je prends le orange, je croise. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous reprenez l'élastique le plus bas et vous passez par-dessus les dents. Même chose de l'autre côté. Ensuite, vous reprenez la base, le noir, comme marqué en 5. Et vous refaites passer celui-là d'en bas, en haut de chaque dent. Et ainsi de suite, on reprend une couleur. Donc là, je vais prendre le jaune que je croise. Et vous refaites passer à nouveau l'élastique par-dessus les dents. Vous pouvez travailler avec un petit pic qui est prévu avec les bracelets normalement. Moi j'aime pas trop, mais voilà. Et on repart avec la base. Donc après le 6, vous refaites avec la base noire et ainsi de suite. Une couleur qu'on croise et la base noire qu'on met normalement. Donc là, j'ai mis la couleur en 6, je repasse avec la base noire. Je soulève par-dessus
les quatre dents, comme d'habitude. On remet une couleur et on la croise. On repasse par-dessus les quatre dents. On remet la base noire normalement. Les couleurs sont croisées, la base est normale. Et on soulève à chaque fois le plus bas pour aller passer par-dessus la dent. Je reprends une couleur, je la croise. Et je repasse par-dessus. Voilà, le collier commence à se former. Donc on continue comme ça, toujours pareil. La base, le noir qu'on met normalement. On attrape celui-là d'en dessous. Puis on remet une couleur qu'on croise. Et on soulève toujours celui-là d'en bas pour passer par-dessus le pic. Voilà, on continue ainsi de suite. Voilà, le collier se termine. Je termine par un noir que je fais passer au-dessus de chaque dent, comme d'hab. Voilà. Ensuite, je prends la couleur d'en dessous. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et pour finir le bracelet, on va prendre celui de la troisième dent que je fais passer sur la quatrième. Même chose de l'autre côté. La troisième dent que je fais passer sur la quatrième, et ensuite je prends le dernier et je le passe par-dessus la dent. Voilà, donc il vous en reste un de chaque côté. Il ne vous reste plus qu'à passer les deux boucles de chaque côté du bracelet que vous mettez comme ça dans le fermoir. Comme ceci. Voilà, vous faites pareil à l'autre bout et le bracelet est fini. Alors, un petit résumé pour le bracelet, ça vous aidera, je pense, ça évitera de regarder la vidéo plusieurs fois.
Donc on fait cette base là, 1, 2, 3. Une fois que cette base là est faite, on soulève le dernier élastique du bas, on le fait passer au-dessus de chaque dent. Puis après, c'est toujours pareil. Donc en 4, vous croisez. Alors vous prenez une couleur, vous la croisez, vous soulevez les 4 dents, vous reprenez la base normale, vous soulevez les 4 dents, vous reprenez une couleur, vous soulevez les 4 dents, vous reprenez une base normale, vous soulevez les 4 dents, vous reprenez une couleur, vous soulevez les 4 dents, vous reprenez une base normale, vous soulevez les 4 dents. C'est toujours pareil. L'important, c'est la base. Après, c'est toujours la même chose.